Bon, salut les gars, et retour sur le PBEM sur Danube Front, et c'est le scénario qui s'appelle The Bolt Out of the Blue version bêta V10. Et donc, je joue le pacte de Varsovie et on envahit l'Europe de l'Ouest, notamment l'Allemagne. Et là, c'est un nouveau tour qui commence, c'est tour 10 qui commence. Alors, vous savez que si je reprends ma carte, pour ceux qui suivent la série, vous savez que j'ai établi un certain nombre d'objectifs. Donc j'ai décidé qu'on irait sur Hambourg, Hanovre, Francfort, Nuremberg, Munich, par Linz. Et bien sûr qu'on prendrait Berlin-Ouest. Donc là, c'est ce nouveau tour qui commence. Donc on va commencer comme d'habitude par le front de Hambourg. Ensuite on fera Hanovre, on fera dans l'ordre que je viens de donner. Donc c'est parti, hein, c'est un très très gros scénario. Et ça prend du temps pour jouer tout ça, donc on y va. Alors la situation ici, je vous rappelle que on essaye de prendre Lübeck, mais d'un autre côté, on fait une frontale là sur Hambourg. Donc on arrive et on est déjà dans les faubourgs de la ville. Alors allons voir de plus près sur la carte du jeu comment ça se traduit. Alors avant de commencer ça, je vais vous faire remarquer une chose. Voilà déjà la minimap, donc vous voyez les différents. Vous voyez les lignes de front, ici c'est Berlin, et je vous fais remarquer qu'on a reçu des renforts ici, donc une division apparemment, je n'ai pas encore regardé, hein, je découvre en même temps que vous, il est où le headquarter? Il va être ici. C'est la 6e division de garde motorisée. Donc si je prends lui, ouais, il y a donc tout ça. Donc effectivement c'est du blindé, hein, ce qui tombe très très bien, et de l'artillerie, ouais, de l'ingénieur. Plus 122 mm. Bon, il y a du bon matos. T80, T80B, là. Ouais, il y a du bon matos. Alors, on va en avoir bien besoin. Donc, on va commencer par les déplacer parce que eux, il faut vraiment qu'ils arrivent le plus vite possible. Alors, on est en fin de journée, là. Il est 20 h, c'est le début de la soirée. Et après, on aura des tours de nuit. Donc, on va avancer le plus possible. Je cherche juste sur quel axe il faut avancer. Bon, là, ça paraît clair que c'est sur celui. Eh, ça paraît clair, non? Ça paraît pas clair. Alors, ça va faire des virages comme ça. C'est moyen cool, hein? On va les envoyer sur Hambourg, a priori. Donc, on va essayer de viser. Ouais, on va essayer de viser par là, quoi. Pour pouvoir éventuellement se rabattre après sur le front de Hanovre, là, en dessous. Ouais, Hanovre. Seulement, il n'y a pas de route vraiment. Bah, il y a celle-là, là. Mais là, ça redescend, ça remonte, ça redescend. Varennes. Bah, on sait pas trop par où il faut passer, là. Là, si on passe là, on a un passage un peu compliqué, là. Quoi qu'il c'est jouable. Ouais, ça fait des virages, hein. Il n'y a pas vraiment de ligne droite. Embêtant ça. Très très embêtant ça. Bon bah écoute, ils sont sur cette route, on continue, on va aller là. Là, à Darmanin. Ah non, à Demain. Je l'avais fait un peu exprès. Alors, si je regarde où est-ce qu'ils peuvent aller, bon, grosso modo, il faut les emmener par là, quoi. Alors, on y va. On déplace tout le monde le plus possible par là. Allez, c'est parti. On va essayer de faire un convoi. Ils suivront une. Ils se suivront là tous. On essaie de pas trop les disperser. Ah putain, ça y a déjà des retards de la terre. C'est lui qui reste à la rade derrière.
Ah bah oui, il coupe par les champs carrément. Hein. Eh, c'est pas facile de déplacer des convois comme ça. Bon là ça va parce qu'ils sont tout seuls, mais qu'il y a plein d'unités autour, t'as vite fait de te les mélanger. D'ailleurs j'ai pas mis les couleurs. C'est quoi leur petite couleur? Ils sont turquoises. Bon allez le dernier. Enfin, on le met là. Ouais, sur la route. Oh putain! Oh putain! Il y a lui qui est resté en rade là-bas. Ah putain! Ouais, c'est compliqué de les dépasser en convoi. Hein, parce qu'ils vont jamais tous à la même vitesse. Bon. Autre chose dont j'ai pas parlé, j'ai des Spetsnaz qui sont de l'autre côté des lignes là-bas, tu vois. Alors, bon, je gère mes Spetsnaz, je les utilise comme Deception Units. C'est-à-dire qu'ils vont foutre le boxon dans les convois ennemis. Donc là, j'en ai un peu partout, hein, des Spetsnaz. Là. Alors eux, ils sont pas encore déployés en Deception Unit, mais j'en ai un peu partout là-bas. C'est juste pour vous signaler que je n'ai que c'est un des aspects de la partie. Bon, allez, c'est parti sur... C'est parti sur Lübeck. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Donc, la situation sur Hambourg est la suivante. Donc, ça, ce sont toutes nos unités. Et elles sont où les siennes? Putain, il y a plus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a reculé. Là, il a une pile. Il y a lui. Mais c'est tout. Bon, on a de l'artillerie. Alors, on va y aller. On va tirer. On va ouvrir le feu là. Est-ce qu'on peut ouvrir le feu? Eh non, il est unavailable. Ouais. Ici, eux, ils sont dispo. Ah, mais bon, on peut tirer sur eux. Donc on y va, a priori. Ah oui, alors une chose, il faut que je vérifie une chose avant de continuer là. Je vais mettre en pause. Non, c'est bon, j'avais bien mis à jour mes. Les victory points à la fin du tour 9. Donc là, il faudra faire le tour 10 maintenant. À la fin du tour 10, il ne faudra pas oublier. Voilà. C'est ça que je voulais vérifier. Donc, allez, on continue. Bon. Alors, c'est un peu embêtant qu'il ait disparu comme ça. Parce que là, je vois plus personne. Alors, par où on. Comment on lance notre offensive? Les jaunes sont là. Là, on a nos soviets. Là, il y a lui. Problème, c'est que là, on a cette rivière dans Hambourg et on n'a pas de pont là. Hein. Je vois pas de pont ici. Donc, ça veut dire qu'on va pas pouvoir passer, sauf à faire du ferry ou des trucs comme ça. Et sinon, il faut contourner. Alors, est-ce qu'on peut essayer de prendre ce pont par exemple? Avec, on envoie ses blindés pour essayer de capturer le pont qui est là. Parce que c'est le seul pont qu'on a. Hein. Sinon, il faut contourner. C'est pas très grave parce qu'on peut contourner. On peut prendre Hambourg par le nord. Allez, on va tenter avec ce T-64. Ouais, forcément, les ponts sont gardés. Hein. Et voilà. Ça va pas être facile de gagner parce que j'ai l'impression qu'une fois de plus, je suis avec des troupes faibles et lui il a des troupes balèzes quoi. Alors on va continuer ça après. C'est ici sur Lübeck que ça m'inquiète d'ailleurs. Donc il faudra envoyer de l'infanterie pour essayer de voir un peu
Bon, on n'a que de l'infanterie motorisée, hein, de toute façon. Et ils sont tous disruptés. C'est pas cool. Ils sont tous disruptés. Donc, bon, je ne sais pas quoi faire. Franchement, je sais pas quoi faire. On va avoir des tours de nuit. Il faut se reposer. Et on va. Alors, je vous rappelle que le gros problème que j'ai, hein, chaque fois que tu es à l'offensive, que je suis à l'offensive sur JTS, le problème, c'est que je pousse trop mes unités. Donc il faut que je. Tous ceux qui sont en disrupté, là, il faut que je lève le pied à nouveau, parce qu'il faut qu'ils se. Ceux-là, il faut pas les bouger, tu vois. Voilà, il faut pas que je les bouge aussi. Je vais faire très attention à ceux qui ont de la fatigue et ceux qui sont disruptés, de pas les faire avancer. On va en avoir un paquet des disruptés, parce que dès que. Ouais, bah voilà, dès qu'on se prend une praline, on l'est. Oh putain. Oh, putain, on tombe, ils sont nombreux, quoi. Alors, on va avoir des problèmes, les gars. Alors, j'ai pas regardé ce qu'on avait en Air Force. Ah, oh, putain, dès qu'ils tirent, on se fait disrupter à chaque fois. Oh, putain. Ah, ouais, je sais pas comment y prendre, là. Qu'est-ce que j'ai au niveau de l'Air Force? J'ai que du MI-24 encore. Ah, des SU-25, SU-22. Hard, soft. Donc là, du hard, là, on va essayer sur lui. Sur eux, là. On perd un avion. Putain, il perd deux tanks seulement. Ah, s'il va se faire disrupter, ben voilà, tout de suite. Putain, c'est pas possible, quoi. Comment tu veux faire? On peut pas, les gars. Houston, on a un problème. Je sais pas comment faire, hein, franchement. Le nombre, quoi. Il faut être en surnombre. Ah putain, mais ils sont partout. Ça va être une boucherie, les gars. Ça va être une boucherie. Attention, c'est des ingénieurs, ça. On va se faire décimer, hein. Là, on y va en frontal. Alors on n'a pas le choix. Je ne sais pas comment faire autrement, hein. Dès qu'il tire, on se fait disrupter à chaque fois. Ah, lui, il en a un disrupté. Allez, on y va. Et ben voilà. Oh putain. Oh putain. Bon ben, ça passe pas, ça passe pas. Hein. Merde, lui, je l'aurais pas dû bouger. Bon.
Ah, ça va pas être facile, les gars. Eh, lui, il est disrupté, il fallait pas le bouger. Je regarde si lui, il peut tirer encore. Il est sur l'ingénieur, là-bas. Même pas, ça, on n'arrive même pas à... Ah, ouais, putain. Et on n'a pas vraiment de support d'artillerie là. Si, quand même, on a ça, mais bon. On pilonne, mais c'est pas un super gros effet. Hein. Bon, bah les jaunes, il faut qu'ils continuent à monter. Hein. Disrupted. C'est sûr que quand tu attaques, tu prends plus de plomb, hein. Tu as forcément plus de pertes. Allez, on y va. Bravement, hein. Faut pas avoir peur. Là, on a nos bleus. Alors les bleus, on va les avancer pareil. On va essayer d'en envoyer. Ah, ils sont disruptés. Ah, ils sont tous disruptés. Oh là là. Parce qu'ils ont déjà combattu, quoi. Toi, on va t'envoyer par là-bas. Je voulais l'envoyer là-bas dans la ville. Ah, c'est raté ce que j'ai fait. Ouais, le Great Troopen, ouais, bon, bah, on est bien là, dans ce petit bois. Disrupté. Eux, on les sort du mode travel. Oh. Lui aussi. Ingénieur. Amphibie. On va les laisser en arrière. Le flak. On va le sortir du mode travel. On va le laisser avec le HQ qui est là. Toi, on sort du mode travel. Toi, il faut y aller. C'est un reco. Alors le reco, lui, on va l'envoyer par là-bas. Le reco,
On va l'envoyer faire de la reco. Sauf qu'on est en train de le... Oh là là, ça passe pas, ça passe pas. Reviens, reviens, petit reco. Eh, trop tard. Eh, merde. Alors, je l'ai séparé par rapport aux autres, mais bon. Je pensais pouvoir le ramener, mais eh, non. Bon, eux, on les laisse un peu en arrière. Eux, ils ont déjà tiré. Asbot. Alors, lui... Ouais, bah, on le laisse tranquille ici. Cette artie, elle a déjà tiré. Alors, ce que je vais faire, je vais séparer quand même cette pile, je vais les mettre là. Comme ça, lui, on l'aura pas. On l'aura séparément. Alors, ici, là, on a du lourd. Donc, ce qu'on va faire... Enfin, du lourd. Ouais, c'est quand même... On va sortir ces deux unités. Et eux, là... Ben, on tire, on sait pas trop sur qui, hein. Sur du soft. Alors, du soft, c'est où? Ben, eux, par exemple, ça doit être du soft, ça. Et ils ont pas le range, mais c'est pas possible. Ils ont un range de nain, de 9, quoi. Oh. C'est pas possible. Alors là, ils peuvent tirer, on y va. Et je sais pas sur qui tirer là, sur l'ingénieur là. On essaie de l'avoir depuis tout à l'heure cet ingénieur. Même ça arrive pas à le disrupter. Et ben j'ai mes 4 unités qui tirent là. Ah il peut pas, ils peuvent pas tirer plus. Oh les. Bon, ben, il faut les faire avancer alors. Ils seront bien placés pour le tour suivant. Eux. Et toi? Donc tu sors du mode travel déjà. Et au niveau du range, tu peux tirer assez loin. Donc tu y vas. Bon, bah écoute, on avance tout le monde. Ça, c'est les disruptés, ça que j'ai surligné. On est mal, hein. Je vois pas comment on passe là. Alors, ce qu'on va faire, on va envoyer tout le monde au nord, parce que là, on va s'user les nerfs dans Hambourg. Il faut les envoyer sur ce front là-haut, hein. Et ouais, il faut envoyer tout le monde là-haut. Alors là, ce rose. Donc on y va. Alors là, tu vois, j'en ai déjà qui sont disruptés ici. Tu vois. Rose fatigue là. L'eau à mon. Ils ont tous un peu de travers. Hein. Allez, go. Les mecs, ça va faire une boucherie. Cette partie, ça va être une boucherie, je vous jure. Ça va être une hécatombe. Un bain de sang. Disrupté, je le laisse, je le bouge pas. Je le laisse. Ah, lui, il faudrait quand même s'y sortir du mode travel parce que je veux pas le laisser comme ça, il est trop vulnérable. Toi, tu vas rester un peu en arrière dans le village là-bas. Merde. Je me fais un mauvais clic, je voulais le foutre dans le village. Alors, ici, on a une artie. Elle n'a pas le range. Elle est unavailable de toute façon. Donc, on l'a fait avancer le plus possible.
Alors, est-ce que ça passe là? Oh putain. Ah, on en perd encore un. 6 véhicules. Pas mal. Pas le range. Attends, c'était où? Merde, c'était où? C'était lequel? C'était pas lui? Bon, c'est pas grave, on verra après. Ils sont mal, ils sont pas placés où il faut, quoi. Donc on peut pas tirer ce coup-ci. Eux, ils sont pas bien placés non plus. Il faut continuer à les avancer. On va les avancer le plus possible sur ce tour-ci pour les avoir dispo le tour d'après, quoi. Et merde. Asbot. Toi, tu restes là. Et toi, tu avances par là-bas en mode travel, mais je te sors du mode travel. Ouais. Merde. Hop là. Alors là, je sais pas trop quoi faire. J'ai la ville à gauche, je suis vraiment embêté. On va envoyer lui dans la ville, mais bon, il pourra pas rien faire, hein. Il vaut mieux les envoyer là-haut au combat, je pense. Et il est disrupté, merde, putain, quel con. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, les gars. Ouais, je sais, je le répète. Je suis bien conscient. Là, on peut. Putain, là, ils peuvent pas passer, là. Il est là, le pont. Il faut être en mode travel. Bon, donc, mode travel, hein, les gars. Toi, on va t'envoyer par là-bas. Bon ben mode travel, toi c'est de l'artillerie, donc il faut t'envoyer le plus haut là-bas, le plus haut possible là-haut pour pouvoir. Putain, mais par où il passe, quoi? Il prend l'autoroute, enfin pas l'autoroute mais la nationale. Toi, tu restes là à garder ce pont. Et là, attention, on a un big, 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 big boss. Donc toi, je te sors du mode travel, disrupted. Et tu te restes dans la forêt par là.
Non, mais c'était lui que je regardais tout à l'heure. Il n'a pas le range. Il l'aura toujours pas d'ailleurs. Oh là là, poisse. Et merde, j'ai fait le con, j'ai pas gardé les points pour le sortir du mode travel. Erreur. Tragique erreur. Et pareil, ils sont en mode travel. Putain, quel con. Oh, je fais des erreurs, les gars. Ah, je sais pas quoi faire avec tout cela. Ça, c'est un reco. Donc ça, non, c'est pas un reco, ça, c'est un anti-tank. Disrupted, disrupted. Donc ça, on ne touche pas. Ouais, tout ça, c'est disrupted. Ah, c'était lui qu'on regardait tout à l'heure. Ouais, mais si. Allez, donc du coup je vais le faire avancer le plus loin possible. Et ouais, lui je l'ai pas sorti du mode travel. Putain, il va se faire massacrer. Bon bah écoute, là on a bougé à peu près tout le monde, hein. Sauf eux là, mais ça c'est. Alors lui, attention, lui, ils sont où ces sbires? Ouais, il a les oranges qui sont là, il n'y en a pas beaucoup. Là, les BMP qui sont là, on va essayer de les disséminer un peu dans la ville quand même pour voir un peu ce qui se passe par là. J'ai l'impression qu'il a personne ici dans la ville. Et toi, il faut aller là-haut. Ok, donc là ils ont tous bougé sauf les disruptés, quelque chose près. Ben voilà, hein. Oh putain, ça va être compliqué les gars, je vous jure que ça va être compliqué. Une ligne comme ça, mais je sais pas comment je la passe, hein. Il faut y aller au forcing, quoi, mais avec des pertes énormes. Alors lui, il est disrupté, mais bon, il faut quand même qu'il puisse tirer, quoi. Je vérifie. Ah, eux, ils peuvent tirer. Allez. Un effet plus que relatif, hein. Bon, bah écoute, je crois qu'on a fait le tour de la question pour ce front de Hambourg. Hein. Là, il a reculé. Alors, on était au contact, il a reculé. Quelque part, ça m'arrange, ça nous permet d'avancer. Et là, on a clarifié un peu la situation dans les faubourgs est de Hambourg. On voit qu'il n'y a pas grand monde. Là, après tous ces stops, je ne sais pas ce que c'est que ces congestions ici, mais j'ai pas trop envie d'aller m'emmerder là-bas. Maintenant, il faut voir que si on passe Hambourg, on part au Danemark après, parce que derrière, il n'y a rien. Là, si, à moins qu'on puisse choper un pont quelque part, il faudra en construire un pont ou en réparer un. Ça reste du domaine du possible, mais bon, déjà, il faut choper Hambourg. Il faut arriver à encercler Hambourg déjà. Donc, on va commencer par encercler Hambourg. Là, on a 2000 points ici. Et mes artilles, j'en ai pas des caisses d'artilles. Attention, il y a des attardés là. Putain, je les ai oubliés ceux-là. Bon, ils vont avec les jaunes, hein, donc
Ben, ici, là. On va les dépasser un par un. D'ailleurs, je vais leur mettre le mode save pour être sûr qu'ils puissent sortir du mode travel. Toi maintenant, suivant. Mode save. Tu sors du mode travel. Toi. Artie. T'as un range de 9, donc t'as pas un super range non plus, hein. Donc mode save et tu vas le plus loin possible, à savoir ici. Et là tu seras dans le range, tu sors du mode travel. Et toi, range de 11, bah pareil, tu vas aller là-haut. Ah bah ouais, bah tu iras ici. Ok. Et c'est tout ce que j'oublie. Bon bah les gars, voilà pour le front de Hambourg-Lübeck. Comme on s'est déplacé, il n'y a pas eu beaucoup de combats, mais enfin on se rend compte qu'on tombe sur une ligne assez pénible. Ceci dit, on est en train d'entourer Lübeck. Il se bat pas pour Lübeck, toi, il a reculé. Et nous, les disruptés, on va essayer de se reposer. Après, on a des tours de nuit maintenant. Alors ça va être deux tours de nuit. De tour de nuit, il va falloir absolument récupérer du poil de la bête, hein, parce que là, alors ça, elle peut tirer limite ici. Donc lui, unavailable, il faut le déplacer maintenant. Hein. Donc je le mets en mode travel, je le mets en mode save. Et où est-ce qu'on peut aller? Ah putain, mais il y a nulle part où on puisse aller. Là, ici. Et ça va pas être top pour bombarder, hein. Il vaut mieux l'emmener par là. On va l'emmener par là. Et d'ici, on pourra pilonner pas mal. Il y a quoi comme range, lui? Ah ouais, il a un... Ouais, si, si, il a un range de 13. Donc on va l'emmener là. Et là, je sors du mode travel. Et d'ici, il pourra pilonner. Ici, il pourra pilonner toutes ces positions qui sont là. Et il faudrait pas se faire perdre le pont de Ratzebourg. Hein. J'aurais mieux fait de le garder, de laisser un planton à Ratzebourg là. Et putain, j'aurais mieux fait de laisser une unité pour surveiller le pont de Ratzebourg. Parce qu'il peut très bien m'envoyer des salopards me faire du boulot de le dynamiter, parce qu'il est utile ce pont. Bon, bah trop tard. Hein. Il y a lui là. Il n'aura pas les pions pour y aller. Si je le mets en mode travel, tenter le coup, il peut y aller là ici. Et si je le mets en mode save, je peux le sortir ici. Donc on peut le laisser ici. On surveille la rive gauche du pont de Ratzebourg. C'est déjà ça. Bon bah les gars. On n'ira pas plus loin, on prendra pas notre petit déjeuner, enfin le dîner en l'occurrence, à Hambourg. Hein. On va manger des casse-dalles au bord de la route. Tout ça c'est disruptif, donc il faut bien les laisser se reposer. Mais lui il a que cette unité là quoi, j'y crois pas. Ah non, il en a là-haut. Oh putain. Il semblait bien aussi. Alors on va le ramener là-haut pour qu'il puisse apporter du soutien à ses équipes. Voilà. Bon bah écoutez, ce coup-ci, hein, tout a bougé. Là, tous les jaunes, c'est ceux qui ont utilisé leurs points. Donc ben voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette première vidéo du tour 10. Donc merci d'avoir suivi cet épisode et je vous dis à la prochaine. Salut les gars!